de vous présenter pour la première fois un public français rebelle ce soir. Vous allez découvrir le film en version originale sous-titrée en 3D. C'est la première fois qu'il est montré à un public français. Le film est sorti aux États-Unis il y a 6 jours exactement, c'était vendredi dernier. Et déjà près de 11 millions d'Américains l'ont vu. C'est un très très beau score. Mais vous en France, vous êtes les premiers. Alors c'est une soirée un peu exceptionnelle, parce que on a avec nous deux personnes capitales pour le film, qui sont tout simplement les deux personnes qui ont permis à ce film d'exister. Madame Catherine Sarafian, la productrice de Rebelle. Beaucoup de postes différents et notamment en production, à travailler sur Les Indestructibles, sur Toy Story, sur Mille et Une Pattes, sur Monstres et Compagnie et sur un court-métrage extraordinaire qui s'appelait Extraterrien pour ceux qui connaissent. Catherine, welcome to Paris. Merci. Avec nous également le réalisateur et le scénariste du film, monsieur Mark Andrews. Marc est un des piliers de Pixar, pardon, il est chez Pixar depuis 12 ans maintenant. Il a travaillé sur de nombreux films, Ratatouille notamment, mais aussi Cars, Toy Story 3. Il a même contribué à l'écriture du scénario de Spider-Man de Sam Raimi. Et il a travaillé, co-réalisé un court-métrage exceptionnel qui s'appelle L'Homme Orchestre, qui était présenté devant Ratatouille en 2007. Monsieur Mark Andrews. Très terrible, mais merci beaucoup pour coming together pour le premier présentation le Rebelle de Disney Pixar. The bagpipe will fake. You'll see. We're so happy to be here in Paris. We love Paris. We love France. This is the birthplace of film. You guys know your cinema. So we're very happy to come here tonight and share with you this first screening here in your country of Rebelle. The film is very special to us, of course. We work on all of our Pixar films lovingly over many, many years. This one is very special because Mark and I grew up with watching classic Disney tales, fairy tales, and princess movies, and we wanted to do it a completely different way with our anti-princess, Merida. C'est un film très important pour nous, on a beaucoup travaillé dessus. Comme tous les films de chez Pixar, on prête beaucoup d'attention à tous les détails. Et on a grandi en voyant des films de princesses, on voulait faire un film de princesse, mais à la Pixar, donc complètement différent de tous les films de princesses que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Special treat. Short film directed by Enrico Casarosa will be shown tonight, La Luna. So sit back, relax, enjoy the movie, and we'll be back after the show to answer some questions, right? Tout à fait. À la fin de la projection, vous restez dans la salle, parce que Marc et Catherine reviendront pour répondre aux questions que vous aurez. Bonne projection. Okay.